Donc, question de Tony. Peux-tu m'apporter ton éclairage sur les questions suivantes? Aide à la guérison de la myopie forte et de la fatigue oculaire. En plus du régime physiologique, quelle formule de plantes privilégier et sur quelle durée les utiliser? Fatigue oculaire, congestion globale au niveau, vraiment au niveau de la, au niveau de la tête. Donc, quelle formule de plante? Rein, lymphe, balai intestinal pour décongestionner tout ça obligatoirement. Cerveau et système nerveux qui va vraiment bien aider à ce niveau-là. J'ai eu des bons résultats, moi, mais alors là, ça tient du remède. Mais il y a un aliment qui aide bien aussi à cette régénération-là, c'est la spiruline. La spiruline aide bien au niveau de la. Parce qu'il y a pas mal d'acides aminés, mais une fois que c'est décongestionné, il faut d'abord commencer par la décongestion. Ça, obligatoirement, il faut vraiment décongestionner. Et ensuite, peut-être penser comme ça à des aliments qui vont être assez chargés en acides aminés, qui vont permettre la régénération vraiment nerveuse à ce niveau-là, strictement. Mais au-delà de ça, j'ai pas grand-chose. Dans les plantes, on va voir le mélange de plantes. Pour l'instant, chez ABC de la Nature, je sais que je l'ai utilisé pour des personnes. Ils ont un mélange en gélule qui s'appelle Oculo Plus. Ouais, je suis désolé, Oculo Plus. Je vais leur demander si on peut voir changer le nom. Oculo Plus donc est très efficace. Ils contiennent le fraise principalement, le fraise, du cassis. On va le redéposer avec une formule avec de la myrtille dedans qui le rendra encore plus efficace pour moi en poudre, bien sûr. Mais cette formule-là est très très efficace. Mais voilà, c'est du long terme. Mais d'abord, viser la décongestion. Tant qu'il n'y a pas de décongestion, c'est pas la peine d'espérer une régénération à ce niveau-là. Doit-on se supplémenter?